dire, c'est que ce scooter est vraiment lié avec l'histoire de ma famille, puisque c'est l'oncle de mon père qui l'a acheté en 1959. Et cet oncle, surnommé Monette pour les intimes, n'a jamais passé le permis voiture. Et donc ce scooter a été son unique moyen de locomotion pour toute sa vie. Je m'appelle Maxime Delestre, j'ai 20 ans et je roule avec ce Lambretta de 1957. Déjà à l'usine, c'était déjà la vogue. Il y avait les motos, il y avait les Vespa, il y avait les Lambretta. Et j'ai jamais eu l'idée de passer mon permis. Pourtant, j'ai pu le penser, mais non. Je m'appelle Raymond. Je suis né en 1925. Donc, j'ai toujours eu l'impression d'avoir roulé en Lambretta. De 1959 à 1970, ce scooter accompagne donc mon grand-oncle et ma grande-tante partout, la semaine pour aller faire les courses à la ferme, le week-end pour aller à la mer. Ils s'en servent même pour aller en vacances, avec des vacances jusqu'en Bretagne, donc un voyage de plus de 350 km avec les bagages accrochés à la roue de secours, ce qui serait complètement inimaginable aujourd'hui, mais à l'époque, avec des étapes de 100 km par jour et des arrêts à l'hôtel tous les soirs, c'était tout à fait possible. On est revenu à Caen, puis après, bon ben, on reprenait le boulot, puis vas-y Jules. En 1970, le Lambretta tombe en panne, une panne tenace qui l'empêche de poursuivre sa route. Il est remisé dans la grange de la grand-mère, la grand-mère qui habitait juste à côté de chez l'oncle. Et pendant 19 ans, il va rester dans cette grange, sous la paille, accompagné par les poules. Et en 89, la grand-mère décède, et peu après, les travaux s'accélèrent pour rénover cette grange. Le Lambretta encombre un peu, il est vraiment dans un état lamentable après 19 ans à l'humidité et sans rouler. Un voisin, un habitant du village, l'emporte, promettant une restauration. Et à ce moment-là, on perd la trace de ce scooter. Pendant 20 ans, donc, le scooter reste à l'écart de la famille, jusqu'en 2009, où quelqu'un rentre complètement au hasard dans la concession de mon père, à la recherche de pièces pour un Lambretta. Au final, lors de la discussion, mon père se rend compte que ce monsieur est l'habitant du village qui, 20 ans plus tôt, a pris le scooter. Et là c'est quelque chose d'assez rare, je pense, 20 ans après, de retrouver un objet comme ça, un objet familial. Donc évidemment, mon père en reprend possession. Le scooter est vraiment dans un état déplorable, le moteur est bloqué, les tôles sont percées par la rouille. Et après ça, un long travail de restauration commence pour lui redonner son éclat d'antan. La restauration dure 2 ans et je me souviens que tous les mois ou tous les 2 mois, on se rendait à l'atelier avec mon père pour voir un petit peu l'avancée des travaux. Et au fur et à mesure, on voyait ce scooter qui, au début, était un tas de rouille. On voyait ce scooter qui était en train de reprendre vie et ça faisait plaisir. Et après ça, c'était vraiment que du bonheur, puisque aux 90 ans de l'oncle, nous sommes arrivés avec mon père par la route, avec le scooter, pour lui faire la surprise. Et là, c'était un super moment, un moment fort en émotion. Le tonton qui, après plusieurs dizaines d'années sans avoir vu son scooter, le voit arriver par la route, flambant neuf, 58 ans de souvenirs qui s'écrivent sur 3 générations, c'est vraiment superbe.